Allô tout le monde! Je voulais vous montrer un linge de friperie. Ouais, j'étais dans la cuisine tantôt, mais comme mon lave-vaisselle, il run puis il pue l'or quand il run, je comprends pas pourquoi. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être de bien quelque chose qui marche pas bien là-dedans. J'ai des problèmes à dos, fait que là, je vais tout ouvrir ça. Moi, ma belle-mère, elle va à Croix-Rouge, mais elle ramasse des morceaux un petit peu par petit peu. Souvent, elle y va. Taille va en plusieurs choses. Puis linge, je sais, c'est à peu près comme, je dirais, 25 cents, une pièce, deux pièces du morceau. Là. C'est vraiment pas cher. Donc, on va commencer par le premier sac, le plus petit. Mais les sacs, elle les divise tous, les enfants. Fait ici, on a. Ah, c'est pour moi! Oh là là, là là! C'est une robe! Oh là là, c'est beau! Oh! Ah! Tiens, je vais mettre ça, c'est plus clair. Bon. Une autre robe. Ah, de la marque Hangar. Une robe genre. Oh my god! Sinon, ici, j'ai. Ah, un autre. Oh, j'aime ça par un là. Oh mon dieu. C'est joli. Une petite robe d'été. Ça, c'est quoi? Oh, 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 ça c'est confortable. Ça c'est confortable, cette petite robe-là. Oh! Calée belle. C'est une robe avec toutes des plantes. Oh, c'est vraiment joli. On dirait que je change de place à tous les secondes. Regarde. Ah, j'aime ça, gars. Tout est... Oh! Ah, ça, c'est des leggings noirs, ma cocotte. Un chandail en tie-dye. En tie-dye avec de quoi décrire normalement. Ah, des culottes courtes pour l'été. Avec des plumes. Des petites culottes courtes. Encore. Oh! Puis ma fille, elle adore des culottes comme ça. Oh, ça, j'aime ça vraiment. Il y a des polka dots. Puis il y a comme la dentelle. Comme dans le bas de la jambe, il y a de la dentelle. Oups, c'est beau. Mais ça, c'est toute la dentelle. Oh! Culotte de jeans. Culotte plein. Fleur. Feuille, excuse. Ah, des leggings longues avec des bords. Ah, une legging bleue comme ça avec un petit dessin sur la tête, des fleurs. Une legging longue avec des tickets. Non, 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 non. Regarde ça. Oh my god, un pyjama. La connaissez-vous? C'est une princesse. Attends, c'est qui encore? La Belle et la Bête? Tu peux-tu? En tout cas, j'ai pas assez écouté de princesse, je m'en souviens plus. Mais go, c'est cute! Puis, regarde, il y a même le bas qui va avec. C'est tellement. Oh my god! Avec les petites torses. Oh, les. Oh, elle va trop aimer ça. C'est pas une écouteuse de princesse, mais juste que c'est trop beau. T'sais, même si t'es pas fan de princesse, là, qui skimme pas ça, là. Oh, c'est trop beau le kit, là. Et c'est tout, on a un autre petit kit. Papillon! Il y a plein de petits papillons dessus. C'est un pyjama. C'est tout. Fait que t'as la pince qui va avec. Puis,
le haut. Un autre kit avec la culotte de pyjama et le chandail qui va avec. Avec un chat. Oh my god. Autre kit. Oh, la culotte trois cordes de pyjama avec des fruits. Et le top qui match ceci. Go. Avec un melon double, la petite dentelle. Puis derrière du chandail, il est rose. Tu sais, c'est comme le kit, là. C'est trop, trop cute. On a un manteau de printemps. Il est beau, hein? Oh! Un beau sweater de la marque George du Walmart. Mais gars, il y a toutes sortes de designs. Les cœurs, des étoiles, des signes de paix, une petite capuche. Oh, les couleurs sont nice. Maintenant, on a une petite robe d'été. Des petits flamants roses. De la marque George du Walmart. Oh, une belle petite jupe en jeans. Petite fille. Oh, une belle robe. De la marque Old Navy. Oh mon dieu. Ah, ça ressemble à une robe Benixo. J'ai pas un buckle avec ça? Non. Mais mon dieu, ça croise dans le dos. Mais c'est trop joli, là. Cute. Alerte couleur flashante. Oh my god. Une petite robe d'été pour fillette. Avec des grosses bretelles. Oh mon dieu, la couleur, autre chose. J'aime ça. Oh, c'est cute. Oh non. Ici, on a un beau tank top. Avec comme des petites feuilles de Monstera, genre. Oh, Seigneur de la vie. Oh mon dieu, c'est cute. Ok, ça c'est un t-shirt avec du patin rouillette. Un petit tank top avec des tresses. Comme ce que les manches. Love. Oh. Oh, c'est beau ça, Colin. Oups. Il y a un petit tank top comme ça avec la dentelle en avant. Puis, il y a de la dentelle en arrière, tout. Vraiment qu'ils ont. Ah, c'est des petits ananas qu'il y a dessus. Oh! On va aimer ça. Chandail du Canada. Un chandail en manche courte Puma. Mais je pense que ça va être trop grand pour elle. On a un beau petit tank top. Genre Paradise, île du paradis. Avec des arbres. Ok. Oh! Regarde la belle robe d'été. Des unicorns. Si tu as un autre sac, c'est plus grand le linge, je pense qu'on peut vivre ça. Évidemment. Culotte de pyjama. Ah, on a un coton été. Noir. Ah, oh, il va la mettre là. Il n'y a pas de dessin trop bien. T-shirt. Ah, ça, je suis pas sûre qu'il va porter ça, par exemple, mais je vais lui demander. Mais elle est belle. Elle est vraiment belle. C'est juste lui qui veut mettre ça en couleur. Oh, wow. Non, elle est belle, la chemise, là. T-shirt. Ah, des culottes de pyjama. Avec des affaires de game. Bon. J'espère que je chiale pas, c'est un record. En plus. Ah, il est beau. Il est très beau. Yeah. Oh my god. Je l'aime. Oh. Chandail à manches longues. Noir. Chandail à manches courtes.
chandail à manches courtes. Oh my god, je l'aime là, le chandail. Oh, je l'aime. Il me semble que c'est le genre de chandail que j'aurais croppé. Oh my god, je l'aime. Mais il est vraiment grand, il est vraiment grand. C'est un... Oh. Ouais. Oh, il est beau. Ça brille. Un t-shirt DC. Oh. Les boxers. Avec la forêt dessus. Ben, le camping. Il y en a deux. Ah. Oh, ça, c'est le chandail préféré. C'est tellement confortable. C'est comme moule. Ah, un chandail Nike. Oh, il est beau, lui. Ah, lui, là. Oh. Oh, il y a de l'air grand. Oh, mais il est grand. Oh, j'espère qu'il ne veut pas. Parce qu'il aime pas ça, les chandails avec des petites planches. J'espère qu'il ne veut pas entendre. Hein? Star Wars. Puis gars, c'est tout. Gars. C'est comme. Ah, ça le fait pas. D'habitude. Ah, oh, c'est pas les machines qui font les contraires. Ok, ok. Oh! Genre. Un pitch! Avec des requins. Puis il y a le bas qui va avec. C'est des requins. Mais c'est des choses de la mer. Fait que ça, c'est un kit. Je sais pas si c'est elle qui a fait le kit, mais en tout cas, ça va bien ensemble. George Pico. Ah, c'est elle. C'est elle qui a fait le kit. Elle fait ça souvent, les kits. Hey, le beau match. Elle fait ça souvent, les kits, quand elle ouvre des affaires, ça va bien ensemble. Là. C'est pas le même magasin. Là. Oh, c'est doux, c'est ça. Ouais, il va y mettre ça, celui-là. Ah, oui. Elles sont bien sûr. Ah, oui, oui. Des culottes courtes de jeans. La marque Oxygène. Oh, qu'elles sont belles. Là, on est rendu au linge de mon plus jeune. Il y a beaucoup de linge d'été. Souvent, c'est des kits. Fait que si tu as le chandail d'été avec les culottes, bien ça, ça va ensemble. Avec les culottes des petites lignes dans la côté. C'est-tu cute? Oui. C'est cute du linge petit. J'aime ça, moi, des enfants qui mettent comme des genres de chandails pas de manches, pas, tu sais, comme ça, là. Ah, oh, c'est un Ninja Turtle. Ah, oh, il est beau, là, lui, là. C'est tous des chandails comme ça. Lui, il a Spider-Man. Oh, lui, il va être content de mettre ça, là. Une t-shirt. Belle couleur. Ah, mais. La patte patrouille. C'est sûr qu'il va l'aimer ça là. Je vais le laisser de côté parce que je sais qu'il va vouloir le mettre. Oh, j'aime la couleur des livres. Comme ça commence. Ah! Olaf et Sven. Ça aussi, il va le mettre souvent. Quand il y a des dessins, là, les enfants, là, ou des personnages qu'ils aiment, là, ils mettent tout le temps ça au plus. Quand je parle de personnages, Thomas Lettrain. Un shark. C'est cute le linge d'enfant, je trouve. Oh, ça c'est mignon, ça va. Je suis très zen. Ouh, ça fait pas avec sa personnalité. Non, je n'y mais c'est trop beau. Pour ceux qui savent, il n'y a personne qui a vu Abzin. Il est plutôt extrêmement stressant. Ah, ça là. Yeah. Il est beau, hein? Ah, bien évidemment, n'importe quoi qu'il y a des dinosaures. Ah, ou des chars. On a Cars. Lightning McQueen. Ah non, mais il est beau. Hey, il est pas comme cartoony, là, comme les autres, là. Mais il est beau, hein? Il est stylé, je trouve. Un beau chandail vert, puis yo! Ah, moi, là, des enfants, là. Moi, des enfants avec des chandails, des t-shirts, là, ou whatever, avec un col de main. J'adore ça. Je trouve ça beau. Je sais pas, j'aime ça. J'aime ça, des cols. Comme ça. Un petit monstre. Ça fait juste avec lui, ça. Ah! Un autre chandail qui fait avec lui. Ah, ben oui. Un singe.
Et un lion, médecin, chirurgien, grand-mari. Qu'est-ce qui est écrit? Fais pas ta force de singe avec moi, ok, boss. Ok. Un coton ouaté. Oh, yes! Yes, 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 yes. Des costumes de bain. Oh, qui sont beaux! Ils ont des fleurs. Oh my god! La jaune est beau, hein? Mais l'orange, tout, là. L'orange, des petits poissons, des tortues. Oh! Oh! Quel beau coton ouaté. Handy danse. Orange fluo et bleu marin. Parfait. Oui. Oh! Des bas de bébé Yoda. You guys. Star Wars. Oh my god, oh my god, oh my god. Le paquet y est nu. Y a-tu quelqu'un qui a mis ces bas-là? Non. On est passé à 10h. Ça va ensemble. Mickey Mouse. Le chandail. Ben ça, c'est un pyjama. Avec le bas. Mickey Mouse. Il va bien aimer ça, mettre ça. Ça, c'est un autre pige, mais culotte courte. C'est des trucs de construction. Fait que t'as le bas, puis t'as le haut, ça et tout. Avec des trucs de construction. Et ça, il va aimer ça. Appelé. Il y avait deux morceaux à ça. Oh, un pyjama. Un bas avec des robots. Du top. Avec un gros robot. Oh! Est beau, hein? Et la dernière article. Un manteau. Hey, j'aime les couleurs. Il est comme vert avec du orange. Voyons, il est beau. C'est comme un manteau printemps, genre. Oh. Il va me rester à trier le linge. Tu sais, il y a du linge qui ne fait plus, puis tout ça. Puis, faire un switch de linge comme que je fais chaque année. Fait que, tu sais, tout ça, là. Ça lui a probablement coûté peut-être bien pas plus que 50$ facilement. Mais en temps normal, les magasins, ben, ça dépend des friperies, tu sais, comme si la personne reste à Montréal ou une place de mille, mais ça se peut que ça soit une petite affaire plus chère, tu sais. Mais ici, c'est vraiment pas cher les affaires de la friperie. Puis mettons que tout ça, puis normalement des magasins, là. Normal, ça aurait coûté comme 200-300 bières, ça. Fait que des fois, c'est comme les enfants grandissent assez vite que ça vaut la peine, si vous en avez proche de chez vous, d'aller faire un tour, d'aller voir. Fait que sur ce, on va se voir pour une prochaine vidéo. Bye!